Fils et filles du bon Dieu, bolo samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce lundi de la sixième semaine du temps ordinaire, année liturgique B. D'abord la première lecture, la lettre de Saint Jacques, le chapitre 1, les 11 premiers versets. Fils et filles du bon Dieu, la lettre de Saint Jacques que nous commençons à méditer aujourd'hui est une sorte d'anthologie de l'Ancien Testament. Elle est attribuée à Jacques, le frère du Seigneur, c'est-à-dire de la famille proche de Jésus. C'est certainement un chrétien de souche juive qui reste très soucieux de la loi et des œuvres à la manière des meilleurs pharisiens, fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit « Considérez, frères, que c'est pour vous la joie parfaite d'être exposé à des épreuves de toutes sortes. Fils et filles du bon Dieu, les épreuves dans notre vie sont des semences de grâce, des semences de bénédiction, parce que le Seigneur utilise ces épreuves pour nous emmener vers sa grâce. Fils et filles du bon Dieu, nous sommes d'emblée dans le climat des béatitudes. Heureux ceux qui sont dans des larmes, persécutés, éprouvés. Ne retenons pas seulement la seconde partie. Il est question d'abord de joie parfaite. Voilà pourquoi, fils et filles du bon Dieu, demeurons dans la joie. Oh, la joie! Oui, Saint François d'Assise, à son tour, après Jésus et Jacques, reprendra ce thème et proposera la joie parfaite à ceux qui souffrent. Fils et filles du bon Dieu, j'en profite pour examiner à nouveau ma vie. Essayons d'examiner notre vie, fils et filles du bon Dieu. Jésus nous veut heureux. Sois heureux, fils et filles du bon Dieu. Jésus nous veut joyeux. Sois joyeux, fils et filles du bon Dieu. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15, 11, fils et filles du bon Dieu. Car la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance, fils et filles du bon Dieu. Une des grandes vertus, même humainement déjà, la constance, la persévérance, fils et filles du bon Dieu. Persévère dans la prière, ne te décourage pas, fils et filles du bon Dieu. Le Seigneur est là pour chacun de nous, il faut tenir bon, ne pas baisser les bras, rester un homme debout, fils et filles du bon Dieu. Et par ce combat, fils et filles du bon Dieu, nous sommes des vainqueurs avec Jésus-Christ, fils et filles du bon Dieu, parce qu'il donnera en chacun de nous la victoire. Oui, que cette persévérance s'accompagne d'une conduite parfaite, sans nul défaut, fils et filles du bon Dieu. Lorsque nous menons un combat spirituel, fils et filles du bon Dieu, il faut également examiner notre vie. Lorsque nous faisons des prières de demande avec persévérance, il faut également revoir la qualité de notre vie. Je demande la grâce au Seigneur. Seigneur, je veux avoir un mari, mais il faut regarder ta vie. Mais si tu es là en train de détruire les foyers des autres, comment Dieu pourra-t-il te donner un mari, fils et fille du bon Dieu? Essaie de revoir ta vie, fils et fille du bon Dieu, ta conduite. Oui, on retrouve là l'idéal, le beau au fond du juste, du pharisien. Du point de vue de l'aspiration, du désir, on ne peut qu'admirer. Le judaïsme a préparé de telles âmes assoiffées de perfection et d'absolu. Et Jésus a dit aussi, soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. La sainteté de Dieu, exigence de ressemblance, fils et fille du bon Dieu. L'amour de Dieu, exigence de ressemblance dans le quotidien de notre vie, fils et fille du bon Dieu. Oui, l'un de vous manque-t-il de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il demande avec foi sans hésiter. Mais c'est également la même chose dans le quotidien de notre vie, sur ce que nous demandons au Seigneur, fils et fille du bon Dieu. Il faut demander avec foi, sans hésiter, fils et fille du bon Dieu. C'est une grâce à accueillir dans un cœur ouvert, un don à demander dans la prière, fils et fille du bon Dieu. C'est la prière qui sauvera chacun de nous, oui. Que le frère de basse condition soit fier de son élévation et le riche de son abaissement, car il passera comme la fleur des champs, fils et filles du bon Dieu. Ce sera un des thèmes de toute la lettre de Saint Jacques, commentaire poétique et rigoureux de l'évangile, des béatitudes en particulier, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Marc le chapitre 8, versets 11 à 13. Les pharisiens sont encore là,
On dirait que plus que Jésus fait des miracles, fils et fille du bon Dieu, moins ils acceptent de croire. Les pharisiens se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Une fois de plus, l'épreuve. Ils sont bloqués a priori. Ils ne viennent pas pour s'éclairer, pour discuter vraiment, mais pour tendre un piège, pour tenter. Fils et fille du bon Dieu. Le mot grec utilisé ici par Marc est le même que celui de la tentation au désert. Il fut tenté par Satan, Marc 1,13. Les pharisiens l'interrogèrent pour le tenter. Jésus a donc connu cela. Être entouré des gens qui veulent votre perte, fils et filles du monde, qui cherchent à vous faire un faux pas, qui guettent vos erreurs ou vos imperfections naturelles pour les mettre en évidence, fils et filles du bon Dieu. Et on voit également dans nos services, fils et filles du bon Dieu, là où tu travailles, il y en a qui veulent te mettre des peaux de banane, fils et filles du bon Dieu, qui veulent te créer des problèmes, fils et filles du bon Dieu, parce que tu as de la valeur. Parce que tu as des talents, fils et fille du bon Dieu. Accroche-toi au Seigneur. C'est avec lui que tu vas vaincre ce monde cruel qui t'attaque, fils et fille du bon Dieu. Oui. Nous constatons que la tentation a été constante dans la vie du Seigneur. Jésus a été sans cesse en état d'alerte, de combat, de débat intérieur, fils et fille du bon Dieu. Comme quoi, la tentation restera avec toi. Voilà pourquoi il faut en sortir vainqueur avec Jésus-Christ. La souffrance, elle est là. Même s'il y a des églises, arrêtez de souffrir. Bon, se rencontrer. La souffrance est toujours là. Le pasteur qui a créé cette église souffre encore aujourd'hui, fils et fille du bon Dieu. Reste avec Jésus-Christ. Oui, fils et fille du bon Dieu. Et là, les pharisiens lui demandèrent un signe venant du ciel. Voilà, c'est bien la même tentation grave qu'au désert. Fais que ces pierres deviennent des pains. Jette-toi du haut du temple, fils et fille du bon Dieu. La même tentation renaît dans la conscience de Jésus. Oui, c'est aussi la même tentation qu'à l'agonie de Gethsémani. Que ce calice s'éloigne de moi. C'est la tentation de refuser la voie de la croix comme moyen du salut. C'est la tentation de sauver le monde par des moyens plus faciles et moins coûteux. Oui, fils et fille du bon Dieu. Alors, fais un signe venant du ciel. Chaque fois que, dans nos propres vies, nous voudrions supprimer des difficultés, nous sommes dans cette même tentation, fils et fille du bon Dieu. Vraiment, je vous le dis, il ne sera donné aucun signe à cette génération. Pourquoi ? Mais parce qu'il refuse que Jésus est bel et bien Dieu parmi nous. C'est le Fils de Dieu, c'est l'incarnation, c'est le Verbe parmi nous, fils et fille du bon Dieu. Mais c'est à cause de leur incrédulité. Il ne veut pas comprendre que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. Fils et fille du bon Dieu. Voilà pourquoi Jésus va dire, et il les quitta. Et passa pour l'autre côté du lac. Geste de déception. Partout au plus loin. Partons plus loin. Jésus souffre. Il a devant lui des cœurs fermés. Il souffre encore aujourd'hui parce qu'il a devant lui des cœurs qui ne veulent pas changer, fils et filles du bon Dieu. Les cœurs fermés. Les cœurs qui refusent la parole de Dieu. On ne peut même pas discuter. Alors fuyons. Passons sur l'autre rive. Au geste de déception. Fils et fille du bon Dieu, le Seigneur veut ta conversion, veut que tu puisses changer de vie. Deviens véritablement fils de Dieu par rapport à ton engagement, fils et fille du bon Dieu. Et alors, lorsque tu vas t'engager sur ce chemin de grâce, le Seigneur te comblera, fils et fille du bon Dieu. Aimons nos vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diessoutounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Mais Saint-Michel de la gloire, là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. C'est une journée de grâce et de bénédiction à tout un chacun de vous. N'oublions pas, Kipe, Yayo et Tokos à tout le monde. Merci Seigneur.